Il y a quelques jours de cela, Instagram a permis à tout le monde d'utiliser les stickers directement en réel. Comment les utiliser et dans quel contexte, je te donne mes astuces. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Les stickers créent de l'interaction et plus un contenu a de l'interaction, plus il a de l'engagement et plus celui-ci devient viral. Maintenant, comment les utiliser? Je vais te donner 3 astuces. La première chose, c'est de lier les stickers avec un contenu qui marche souvent. C'est le outfit of the day. Vous prenez 2 tenues et vous laissez le choix à vos followers. Les stickers permettent aussi d'augmenter votre interaction, mais aussi le nombre de commentaires. Comment le faire? C'est facile. Quand vous mettez un reel, posez une question directement et vous allez créer 2 interactions. Non seulement vos abonnés vont cliquer sur le sticker, mais aussi ils vont répondre en commentaire la question que vous avez posée. La troisième astuce, c'est qu'il faut savoir qu'Instagram aime qu'on utilise ces outils. Donc, n'hésitez pas à faire au moins 2 stickers dans un reel. Mais attention, il y a vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est l'espace que vous allez utiliser pour mettre un sticker. Évitez de mettre un sticker, par exemple, tout en haut. Ça peut vraiment se couper par rapport à la personne qui le voit, selon les écrans de vos followers, mais aussi de le mettre tout en bas. Par exemple, évitez de mettre vos stickers tout en haut parce qu'il peut être coupé par rapport à l'écran qui regarde la vidéo, mais aussi de le mettre tout en bas parce qu'il peut être caché par la description. Donc voilà 3 astuces qui vont vous permettre d'utiliser les stickers sur les reels. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye! Yeah.